c'est Paint Factory? Paint Factory, c'est notre terrain de paintball à Charnay-les-Mâcons en Bourgogne. D'accord. On a un terrain d'entraînement et on a 5 terrains loisirs. D'accord. Sur 2 hectares. D'accord. Généralement, on commence à 9h44, donc dans peu de temps. Non, je suis fini, la merde, c'est allé vite. C'est quoi? C'est Révélation qui a raccroché le... Ouais, c'est Révélation. Ouais, ça va, t'as le pire. Ça joue bien, là, ça va, ce matin. Ça joue bien, hein. Alors, les équipes que tu connais bien, apparemment, c'est les équipes de Ronald, en fait. Elles se connaissent bien. Parce que les Paint Factory, je crois qu'ils font un big Ronin. Allez, Révélation, tu mets le deuxième point. Allez, c'est validé, 2-0 pour Révélation. Terminé. Alors c'est quoi? Outrage 2, Paint Factory. Allez, moins 2 chez Outrage 2. Allez, faut y aller là, les Paint Factory. Il y a la place. Et ça rentre dans le snake en face. Et il est passé, hein. Allez, t'arrêtes pas là, t'arrêtes pas. Mais sur quoi tu tires? Bah dans son obstacle, mais oui. Eh, en Bourgogne, je t'explique. On chasse les escargots comme ça. Ah, le joueur snake qui est tombé. Il doit rester quoi? Un ou deux outrages, ou même joueur mieux tout seul, hein, en fait. Hein. Il est dans le château tout seul, en fait. Ah non, ils ont pas reçu leur jersey encore, les outrages 2. Ils jouent avec des maillots de basket. Ah, pas bien joué ça. L'obstacle il se joue de l'autre côté. Et voilà, c'est réglé. Les Paint Factory qui étaient à 4 contre 2. Et ils sont à 1 contre 1 là maintenant. Tu vois, les mobiles, ils jouent bien son 1 contre 3 en infériorité numérique, il essaie d'être mobile. Et du coup il est perd, regarde, il sait plus du tout où il est. Ah ben oui, quand on a le nez dans les barrières, à un moment donné, on n'est plus sur le terrain. Allez, c'est validé. Moi, je le dois, j'attends encore. Fort qui refait le coup. Oh le gars, il a... Quoi? Allez, 2-0. C'est du concurrentiel avec des ligues nationales qui tiennent la route.